Don't you explain. Mes chansons, elles parlent souvent de... des trucs qui nous entourent dans la vie. Ou des trucs qui ressortent de mon vécu. Tout ce que je mets dedans, c'est aussi les choses que je comprends pas. Ou les trucs qui me questionnent. Ou les trucs qui pourraient pas sortir autrement. Et puis au fur et à mesure que je les chante, elles prennent des fois d'autres significations. Be afraid. On the wall, where would all be afraid? Oh, don't you wish, where would all be afraid? C'est une chanson qui s'appelle 31 années à attendre ça. Ça décrit le fait que souvent on attend des choses avec beaucoup, 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 beaucoup d'impatience ou beaucoup, beaucoup de préparation et qu'il faut toujours se préparer à être déçu, et la plupart du temps en bien. En tout cas, cette chanson, elle me sert à me rappeler que je veux surtout pas rester au même endroit. Une fois que je suis arrivé quelque part, c'est qu'on peut continuer d'avancer. Moi, j'aime bien les bizarreries, espèces d'objets absurdes aussi. Les inventions, ce qui n'en sont pas. Ils ont une vie antérieure, mais en fait, ils en ont plein de futurs. Puis, ben, je ressens que s'ils ont encore quelque chose à dire, je participe volontiers. C'est une affaire de leur cycle de vie. Et puis, ils font un petit bout de chemin, encore peu avec moi, ou après, je les file à d'autres. J'aime bien imaginer que ouais, c'est pas forcément directement bon pour la poubelle. Le bonheur simple de fouiller dans des histoires qui sont pas les miennes. C'est des hasards, c'est une question de hasard. De trouver des choses auxquelles j'aurais pas pensé m'associer. Principalement, ce que je cherche, c'est quand même des objets qui me permettent de faire du son. Je suis pas trop à la recherche de... C'est pas tant pour leur esthétique. C'est rare les objets moches qui font du bon son. Look a while until you know my name. Until we belong to the same vein. Le chaud de fond, bah, c'est une ville où les gens sont passionnés par la culture et puis passionnés par la manière de la faire, qui est très participative, qui est quelque chose de généreuse, puis qui est, pour moi, par tradition, assez... bénévole, associative, collective, quoi. Ici, on est chez Humus Records. C'est un label que Jonah a fondé il y a une dizaine d'années. Puis que j'ai très vite rejoint pour faire plein de choses avec lui. Et puis on publie des disques. Je pense que de toute façon, ce sera bien que toi, t'en fasses un, ou Emilie, ou je sais pas quoi. Tu vois. Et t'as pensé à un nom pour la collection? Non. Non, j'ai pas pensé à un nom pour la collection. Pour l'instant, il y a tout qui s'appelle EP 2021, mais c'est assez nul. Oui, c'est assez nul. Ben, ça, c'est un truc dont je voulais discuter avec toi. Enfin, moi, tu vois, trouver des noms absurdes pour mon groupe, ça me fait assez rire, généralement. On a créé Humus en 2012. Ça correspondait au moment où on a créé notre groupe qui s'appelle Cold Guns. Et puis, on s'est dit à ce moment-là que ce serait bien de pouvoir représenter les intérêts artistiques de notre groupe via une structure
qui rendrait les choses plus crédibles, en fait, en contactant les gens en tant que label plutôt que groupe, alors que c'était de la poudre aux yeux, parce que le label, c'était vraiment... ça n'avait rien de vraiment concret. Puis pendant des années, on a sorti les premiers albums de tellement d'artistes dans la région, en tout cas dans la région Neuchâtel-Jura. Et puis tout d'un coup, ben voilà, on est en 2021, et puis on va approcher les 100 sorties. Moi, la musique solo de Louis, elle me transcende complètement, puis elle me bouleverse. Enfin, c'est pas possible. Puis j'écoute régulièrement ses disques. Je trouve que tout est beau, tout est poétique, tout est touchant. Après, en plus, je le connais, je connais son vécu, donc je peux l'associer à des trucs. Pour moi, ça, c'est hyper important. She was waiting, but he never had the time. For a walk or a night, she was waiting, but he never had the time. For a walk or a ces trucs de cuisine, elles ont des acoustiques, des frottements, des sons qui sont cool à attraper avec des micro-contacts. C'est pas des micros qui attrapent le bruit aérien, ils captent les vibrations dans la matière. Et puis après, ben, je peux construire des sortes de loops de rythme. Et puis c'est toujours des bases pour des chansons, après pour élaborer des chansons, des bandes-sons. Moi, j'aime beaucoup les mouvements de mécanismes, tous les frottements. Après, c'est un peu les instruments qui décident en général du tempo. Ben, j'assemble un instrument valise. L'idée, c'est de pouvoir sonoriser des sitars. Une sitar plus ou moins électrique. Je réfléchis à la position de la capsule piezo. C'est ces trucs-là, là, c'est des... je suis pas encore sûr du système. Mais pour capter les instruments qui n'ont pas de cordes métalliques. Et puis le principe, c'est que ça doit tout être flottant. Il faut pouvoir le serrer contre. Mais en lui laissant un peu de marge de liberté pour vibrer. Il faut trouver des combines, quoi.
J'aime bien... C'est des sortes d'instruments préparés ou transformés ou bidouillés, bricolés. De pouvoir avoir tout le kit comme ça, tac. Ouais. Puis de pouvoir refermer puis il va se balader avec. Tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est machin américain. Trop. Mm-hmm. Tu vois comment mm-hmm. Alors, c'est... Ça touche. Ça touche. Ouais. On met ça dans longtemps. Mais je peux le resserrer. Ouais, je peux le déplacer. En gros, faut juste qu'il y ait un peu tout le bazar qui tienne, puis qu'il n'y ait pas ces trucs qui tombent dessus. Donc je sais pas. Là, ça risque de glisser quand même un peu parce qu'il y a rien. Mais ici, là, c'est bien là. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Même carrément comme ça. Louis, il a eu besoin d'avoir un endroit où aller. À ce moment-là, j'étais toute seule dans cet appart. Puis, du coup, je lui ai dit « Ah, si tu veux, il y a une chambre chez moi pour un moment, si tu veux venir squatter. » Puis, un peu dans ma tête, c'était pour une année. Ça fait 7 ans. En fait, l'autre côté, idéalement, il faudrait avoir un truc qui passe sous les corps. Je pense que ce qui te caractérise, Louis, c'est quand même être un esprit libre. Hein. Je pense que tu te donnes vachement les moyens de réussir ce que tu as envie de faire et... Si tu trouves pas le truc qui te plaît ou l'instrument qui te plaît, paf, tu le fais. Enfin, c'est vraiment une force. Puis après, il embarque tout le monde avec lui. Ça, c'est un animal de meute. J'ai jamais vraiment l'impression de devoir me lever pour aller au boulot. C'est plutôt le boulot qui me réveille et puis qui me dit « Ah, on fait des trucs, des choses. » Puis mon boulot, j'ai l'impression que ça ressemble plus à passer du temps avec des amis, des objets, dans des endroits qui me plaisent. Chacun un peu sa formule pour être dans son activité de musicien. Puis, je sais pas trop bien si on est une sorte d'entrepreneur ou une sorte de fonctionnaire culturel ou un punk à chien. Je sais pas trop. En fait, c'est peut-être un peu tout ça à la fois. Pour moi, ce serait impossible à faire si c'était pas une œuvre un peu collective, quoi. Je suis hypersensible à la tribu. Et les gens avec qui je vis, les gens que j'aime, les gens... avec qui je travaille, c'est un peu une seule et même chose pour moi dans ma tête. Aujourd'hui, on répète les morceaux de mon disque Something Went Wrong que j'ai écrit et composé tout seul dans le chalet de Louis, qui est là, puis que j'ai finalement engagé pour jouer de la basse. Et j'ai aussi proposé à Luc de nous rejoindre à la batterie. Et puis Prune pour faire les chœurs. Ce qui est hyper bien, c'est que c'est moi qui fais le plus chier. Ce que j'aime en fait, c'est écrire des choses dans mon coin, puis transformer ces trucs très intimes, très solitaires, en des expériences collectives. Si les chansons en fait, c'est fait pour être partagées. Puis ce qui prend du temps, c'est de les construire suffisamment solides et suffisamment souples pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent venir se greffer dedans, pour que chacun puisse trouver un peu sa place dedans, puisse les approprier. Luc, c'est la personne avec laquelle je fais de la musique depuis plus longtemps. C'est un batteur incroyable, il a une frappe très particulière. Pas du tout accordé. Là, pour cette tournée, j'avais besoin d'être à la maison. Et puis, à la maison, y a Luc qui joue de la batterie. Ça fait trop la pêche. Prune, c'est une copine de lycée. Je lui avais proposé de l'accompagner pour jouer des chansons à elle. Take me to the edge. Elle fait de la musique qui est extrêmement émotionnelle. It's a long time now.
elle chante sans filtre, c'est extrêmement touchant. Et puis ben, là, du coup, ça me faisait plaisir qu'elle me renvoie l'ascenseur, puis que ce soit tout d'un coup elle qui m'accompagne pour mes chansons. De fond, ben, c'est la ville de mon enfance, puis c'est la ville de mon adolescence. Je pense que je devais être un petit gamin assez cabotin. Le souvenir d'avoir une maison quand même en ville, mais tout proche de la campagne, de jouer avec les enfants du quartier, de construire des cabanes dans les arbres là-haut, de faire une espèce de grande guerre des boutons avec les voisins voisines du quartier. Tu y arrives? Je pense qu'elle est boutons. Ça va? Là, en fait, je suis petit, là, je Oui, oui, ça c'est les films en Super 8. Maman à la plage en 75. Oui. Ah oh, non, mais là, ça va, elle est charmante. Mais je comprends pas où elle est. Où est là? Ah, Louis, c'est un petit garçon très joyeux, qui avait toujours plein de vitalité, de projets, d'énergie. C'était aussi un enfant, je pense, qui était quand même rêveur. Ça, c'est des films plus récents. Hein. Comme au été 64, c'est pas mal de revoir ça. L'idée de faire de la musique à Louis, elle est venue quand nous avons fait les portes ouvertes du conservatoire. Et on était entrés dans la salle où il y avait tous les violoncelles, les bas, les contrebasses. Et puis il s'est précipité sur un violoncelle, il disait « moi je veux faire ça ». Et je pense qu'il avait 5 ans. Et puis à partir de là, ben, il a fait une très bonne formation musicale parce qu'il a fait 11 ans de conservatoire en violoncelle. Quand il a passé son baccalauréat, il est parti une année à Fribourg-en-Brisgau, dans une annexe de l'école de Berkeley, de Rock and Jazz Schule. Et puis il a vécu une année là-bas en faisant de la musique, de jazz surtout. Oh bah, j'ai essayé d'étudier pendant un moment la musique dans une école, puis vite vu que c'était pas... Enfin, j'avais besoin de nourrir ma cervelle avec des trucs qui concernaient ma cervelle, puis la musique, ça concernait plutôt les mains puis le cœur, peut-être. Alors je me suis inscrit à l'EPFL en architecture, et puis ça m'a permis aussi de rencontrer plusieurs gens, parce que je reculais des années au fur et à mesure que je ratais des examens pour aller faire des tournées, puis c'était plutôt une belle dynamique. Il avait 86 ans. Puis quand je suis arrivé à la fin de mes études, je trouve un super professeur. Puis on a fait un diplôme sur les musiques actuelles. À la fin, j'ai fini par retaper mon propre local de répétition. Puis voilà, j'ai bouclé la boucle, puis j'ai tenu retour à chaud de fin. Là, tu gâches la pellicule. Ah, la peine a passé, heureusement que Claudia met. Ça, vous n'aviez pas répété avant, alors. Ben non, tu vois. Prise 4. Voilà. Hop, la gamme, ça. Oh, c'est ravissant. Aujourd'hui, j'avais une base d'idées, peut-être de thèmes, de chansons, ou deux, trois bribes de lignes de voix. Puis, pour structurer ça, je suis parti de cette boucle rythmique que j'ai fabriquée avec ces ustensiles qu'on a trouvés à la brocante. Donc il y avait cette boucle qui tournait, moi j'ai joué de la batterie par-dessus, ça m'a fait une basse rythmique. Composer la musique, le principe, c'est de pas être trop dans les habitudes. On prévoit des choses, on met le maximum d'énergie pour faire que ça se passe bien. En fait, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Puis c'est toujours les choses les plus aberrantes qui sont source de poésie, quoi. Thank you.
Après, j'ai fait la prise principale de la sitar en structurant un peu les idées que j'avais sur la durée de percussion que j'avais enregistrée. Ça, ça me fait un peu le squelette de la chanson, les mouvements harmoniques, tout ça. Et puis après, j'ai rajouté encore une piste de sitar, baigné tout ça dans une couleur musicale. Assez psychédélique, là. Pour moi, c'est des instruments qui sont assez psychédéliques. Je commence à tripoter un instrument, à créer un peu les sons qui m'intéressent, et puis tout d'un coup, des mots commencent à apparaître, puis des fois, ils s'imbriquent bien. Enfin, forcément, ils s'imbriquent bien, vu que c'est un peu ce que j'ai dans les pattes, ce que j'ai dans la tête, puis ça sort. Mais c'est des fois assez amusant de se dire « Oh, bon, bah, c'était ça. Aujourd'hui, c'était ça. » Methink was clean and safe out to bodies both imperfect. Stay with us, man, honor yourself. It's close as one can. Moi, la bande, c'est une surface. J'ai l'impression que ça réagit de manière beaucoup plus forte qu'un disque dur. On peut enregistrer des milliers d'heures de musique. Bah, une bande, elle peut contenir un certain nombre de données, puis faut essayer de tasser un peu ce que tu veux dessus. Pour moi, si je travaille pas avec des bandes, j'ai l'impression de travailler dans un grand vide cosmique. Je m'intéresse beaucoup à l'enregistrement, puis aussi à l'édition, à la publication, à la reproduction sonore. Ce qui est beau, c'est qu'on on inscrit de la musique dans la matière. Je sens les passages où c'est un peu plus fort, où il y a un peu plus de dynamique, ça, tout d'un coup, ça se transmet à travers l'aiguille. Et puis ça, voilà, ça creuse la matière, je la sens matérialisée, quoi. Je trouve que c'est toujours quelque chose de complètement magique. Alors. Oui. Alors, je t'amène ça déjà, oui. Pour le dessin. Mmh. Bien. Ah, t'as mis le... T'as vu, j'ai signé, ce que je n'avais pas fait. Ouais. Ça te paraît bien? Ouais. Ça, c'est le test? Ouais. Trop bien. Oui. Ce qu'on va faire, c'est déjà le... Sophie, pareil, c'est une pote de lycée. Puis on avait un groupe de musique quand on était ado. Scotch, toi qui tiennes quand même. Et ouais, puis, c'est quelqu'un qui fait des super beaux dessins, qui est extrêmement créatif, puis qui a lancé son atelier Out of Gaz. Au moment où moi je commençais à faire une première publication. Donc nos deux parcours, pour l'instant, ils ont toujours été liés. Mais ça veut dire qu'on aura la pochette transparente, on aura ça transparent. Yeah. On va garder ça tout du long, quoi. Donc régulièrement, quand je fais des publications, Sophie, elle est intégrée dans ces projets, même des fois très tôt. Et puis c'est elle qui m'aide à assembler des objets, penser des objets. C'est un rituel en fait finalement qui est très central quoi. Si c'est pour être tout seul, ça m'intéresse pas. Pour moi, la tribu, c'est un truc assez essentiel.
J'ai l'impression qu'on nous raconte souvent qu'il y avait l'époque où on avait des amis, puis après on les perd de vue. Puis moi j'ai l'impression qu'en fait il faut en avoir jusqu'au bout. Je trouve que c'est les meilleurs remèdes contre la déprime, contre la solitude. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite à ça. As close as one can be from all that's real and safe. But it's such a perfect state from love and trust and pain.